اسمحي لي يما من وقتك شوية، أنسى جنبك حمل شايله تقل عليا، زي عادتك تسمعيني لو بكيت تستحمليني، يما زادت قسوة الأيام عليا، يما زادت قسوة الأيام عليا. كل يوم بقى يشبه اليوم اللي عدى، كلمتين مش مفهومين على دمعة شردة، حتى لون الدنيا باهت والمعاني في قلبي تاهت، خوفي لا تطول علينا الشدة دي، خوفي لا تطول علينا الشدة دي. مدريتيش يما اللي حاصل وانت غايبة، حالنا مال بعدك خلاص والدنيا سايبة. La rencontre consacrée à la préparation du rassemblement des jeunesses Tidjane à Tiwaouane, qu'organise donc chaque année le Dairatul Moutafina bi Asaril Abaï Wal Ajdad. L'événement est prévu donc le lendemain de la Tamkharit. C'est un événement donc qui draine beaucoup de monde et nous avons constaté que sa célébration donc prend de l'ampleur d'année en année. C'est pourquoi aujourd'hui, en relation avec le comité d'organisation présidé par Serigne Moustapha Sy Ibn Serigne Abdul Aziz Al-Amin, nous avons donc essayé donc de voir avec l'ensemble des chefs de service comment faire pour réunir les conditions d'une bonne organisation donc de l'édition de la Ashura 2018. C'est ainsi donc qu'après avoir passé en revue l'ensemble des secteurs, nous avons arrêté donc d'importantes mesures. Alors ces mesures donc vont du secteur de l'approvisionnement en eau potable à la fourniture d'énergie électrique en passant par les secteurs donc de la santé, de la sécurité. De manière générale donc, nous avons dit que nous avons constaté que les problèmes les plus récurrents ont trait donc à la fluidité donc de la circulation, le temps donc de la célébration de l'événement. C'est ici que nous avons prévu donc de renforcer le dispositif sécuritaire qui est traditionnellement donc mis en place par la police et la gendarmerie. C'est pourquoi nous prévoyons cette année donc de faire venir 150 éléments du GEMI, de mettre à la disposition du comité d'organisation sans barrière, mais de tout faire pour que les embouteillages qui sont notés au niveau donc de la localité de Kout puissent être donc pris en charge par les éléments de la gendarmerie. Il est même prévu, n'est-ce pas, un contournement, n'est-ce pas, de l'axe pour caisse en relation avec le comité d'organisation. Nous verrons les modalités de la mise en œuvre de ce contournement. Dans le domaine de la santé, il est prévu l'implantation d'un poste médical avancé, le prépositionnement d'ambulances, mais également la mobilisation des éléments de la Croix-Rouge qui vont travailler en étroite collaboration avec les éléments du district, mais également le personnel de l'hôpital Abdul Aziz Sy
tabac. Alors, dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable, nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans la fourniture donc en eau. Et pour cela, il est prévu le positionnement de deux camions citernes. La SDE prendra les dispositions pour que l'eau, pour qu'il n'y ait aucune coupure durant les deux jours, donc c'est-à-dire la veille et le jour de la célébration donc de la Ashura. La Sénéleg mettra à la disposition donc du comité d'organisation du carburant. Elle prendra en charge donc le fonctionnement des groupes électrogènes. Elle procédera donc à la mise hors de l'estage de Tiwawan et de ses environs. En plus de cela, donc deux descentes d'électricité donc seront opérées au niveau donc des deux tentes qui sont prévues pour la célébration de l'événement. De manière générale, nous avons pris d'importantes mesures et nous pensons que d'ici à la célébration de l'événement, toutes ces mesures pourront être mises en œuvre pour permettre une bonne organisation de l'édition 2018 de la célébration donc de la Ashura, faite à l'occasion donc de laquelle le Daïre Mukhtafi Nabi Asaril Abaï Wal Ajdad donc réunit l'ensemble donc des jeunesses tidjanes du Sénégal pour venir au niveau de Tiwawan, effectuer la ziyar, n'est-ce pas, mais surtout recueillir les conseils, n'est-ce pas, et les orientations de leur guide religieux. Et c'est un moment fort donc de la vie de la communauté tidjane. D'ailleurs, l'événement maintenant est inscrit dans l'agenda donc des événements qui sont célébrés donc par la Hadra Seydi Hajj Maliksi. Et nous avons donc demandé aux chefs de service, aux différents chefs de service, sakku ci service état étatique ñu def ci yombal ak ndimbal ci walu démé ni ci walu douane ak lu démé ni ci walu gendarmerie ma nga xamni dem bék dik bi dana mëna yom ah ñu am yaakaar nak ni engagement yi nga xamni chef de service jël nañ té ñu fassiyene ci taxaw lekkolo ci ak comité d'organisation bi et suñ ci taxawé et di ci sotante xalaat di ci ligéndo ak maire ci won fi ba kérok ñu ginaaw ëlëgu tam xarit inshallah la xew xew bi di am bi ba bobu yaakar na ni inshallah suñu borom dinañ ci defal ndimbal ba xew xew bi ren ji dal ñu am ci ndam lo xamni daw ñu ko am ci at yi nga xamni mo passé lolu kul yum ba yashbih al yum al adda كلمتين مش مفهومين على دمع شردة حتى لون الدنيا باهت والمعاني في قلبي تاهت خوفي لا تطول علينا الشدة دي خوفي لا تطول علينا الشدة دي ما دريتيش يما اللي حاصل وانت غايبة حالنا مال بعدك خلاص والدنيا سايبة شفت حتى ابن اللئيمة والله بان وباله قيمة الجبان لقى فرصة يتشطر عليا الجبان لقى فرصة يتشطر عليا قبل ما امشي بسألك مش عايزة حاجة
لسه برضو سكت مش هتقولي حاجه.